Hey, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous faire voir tout ce que j'ai eu pendant l'ouverture des calendriers de l'Avent. Si vous me suivez sur Insta, vous devez l'avoir vu sur Insta, je vous mettais un réel chaque jour. Sauf les derniers jours où mon portable ne voulait vraiment rien savoir, les réels, je pouvais essayer 5 fois, ça ne voulait pas. Donc après, je mettais juste des publications de photos parce que ça ne voulait pas. Ça m'embêtait un peu parce que quand j'avais des palettes ou quoi, ben je vous les ouvrais dans le réel et vous voyez les couleurs et tout, c'était beaucoup mieux. Mais je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, je vais vous faire voir, donc ça sera pas dans l'ordre, ça sera aléatoire. Je vous dirai quel calendrier de l'avant je l'ai eu. Il y a deux choses que je pourrais pas vous faire voir, c'est dans le frigo, c'est des masques pour le visage, des masques en tissu que j'ai eu par Sephora, donc enfin dans le calendrier de Sephora. Donc je les ai pas sortis, je les laisse dans le frigo. Donc nous allons commencer. Donc le 24, ça je sais parce que c'est le dernier truc que je me rappelle avoir eu et tout. Dans le calendrier Essence, j'ai eu cette palette. Je sais pas si vous allez voir que ça peut fermer les yeux si vous regardez. Je vais voir. Comme ça normalement vous voyez, ça ferme les yeux, ça les ouvre. Elle est super belle. J'ai trop kiffé cette palette, elle est magnifique. Et regardez à l'intérieur la beauté que c'est. Vous allez peut-être voir dans le miroir mon écran d'ordinateur, c'est normal. Du coup voilà, les couleurs sont magnifiques. Ah, il y a des couleurs là que je vais pouvoir bien m'amuser avec ça. Alors oui, il y a des trucs qui moi je vais pas m'utiliser, ça sera ma maman. Donc, on va faire un tri toutes les deux. Donc il y a des trucs que je vais quand même donner, moi des trucs que je vais lui donner, et peut-être des trucs qu'on va donner à ma meilleure amie, et peut-être des trucs qu'on vous fera gagner peut-être avec ma mère dans un concours qu'elle veut faire. Et donc du coup voilà, il y a peut-être des trucs qu'on vous fera gagner avec ma maman, et des trucs qu'on va s'échanger, des trucs que je vais donner à ma meilleure amie. Voilà. Donc il y a eu cette palette. Après ça, c'était je crois vers le début. C'est pareil de Essence. J'ai eu cette petite pochette. C'est sympa. C'est une petite pochette. Voilà, on peut mettre des trucs dedans. J'ai des tas de pochettes et des pochettes du coup que j'utilise quand j'ai un McDo. Il y en a une que j'ai dans mon sac pour aller à McDo où j'ai les clés quand je rentre à 1h30 qu'on me ramène. Enfin 1h50 en général. Donc j'ai mes clés pour quand on me ramène. J'ai une boîte de Doliprane toujours. D'ailleurs ça m'a bien servi pour le 26 là parce que j'ai eu un gros mal de tête. Donc ça me sert toujours la boîte de Doliprane. Des serviettes hygiéniques, on ne sait jamais. Si une de mes collègues elle a ses règles et que voilà. Mais non, en général on en a là-bas dans à McDo pareil. Dans les toilettes on a un truc avec des serviettes hygiéniques. Donc voilà. Mais j'ai toujours des trucs dans mon sac. Et donc dans une petite pochette, comme ça se balade pas partout. Ensuite, j'ai eu cette palette. Alors cette palette, elle est juste magnifique. C'est pareil, Essence. C'est des couleurs pastel, mais genre magnifique. Je vous jure que cette palette, je vais l'utiliser parce qu'en ce moment, j'adore les couleurs pastel. Là, je pense que vous le voyez, j'ai mis. C'est d'une palette d'highlighter. J'ai mis du rose pastel comme ça qui est trop magnifique. Je sais pas si ça se voit, ça doit pas trop se voir. Mais voilà. Et donc. Est magnifique, regardez. Ah, ça c'est pas dit. Voilà, regardez les couleurs. Et surtout qu'en plus, avec ma mère, au départ, on a vu ça. On fait ouais, ça va pas être trop pigmenté et tout. Et c'est super bien pigmenté en vrai. C'est super bien pigmenté et c'est magnifique. Non, le vert en plus, là, il est trop beau le vert. Ah, le vert et le jaune, là, même l'orange. Enfin, toutes les couleurs sont belles dessus. J'étais trop contente quand j'ai eu cette palette là. Oh, j'étais mais trop contente. Franchement, moi, Essence, je suis vraiment pas déçue de ce que j'ai eu. Sephora, il y a des trucs qui étaient un peu. Voilà. Mais sinon, Essence, je suis vraiment pas déçue. Après, donc, Essence, toujours, j'ai eu une poudre fixante que ma mère, du coup, ça l'intéresse. C'est pour ça qu'elle m'a passé celle de chez Action. Donc, elle m'a passé, je vais lui passer celle-là. C'est une poudre fixante. Hop, waterproof, c'est marqué. Voilà. Vous avez comme ça, se présente comme ça. Et vous avez la petite houppette qui est dedans pour justement vous touc-touc et vous mettez sur votre visage. Voilà. Donc ça, je vais la passer à ma maman. Après, donc, essence, toujours, j'ai eu des fossiles. Voilà. En ce moment, c'est vrai que j'en mets pas, mais ça va me servir quand même. Voilà. Ça va toujours me servir. Donc, c'est sympa. En plus, c'est des fossiles, ça va, c'est pas trop extravagant et tout. Donc, ça va me servir. Toujours. Même si je m'en utilise. Même si je l'utilise pas toujours, ça va me servir.
Moi, j'ai mis ça dans la boîte. Ça, c'est maman qui m'avait donné ça. C'est des petits papiers là pour enlever par exemple l'excès de sébum et tout qu'on a et tout. Bah, quand on fait des petites retouches, prenez le papier, vous le tapotez là où vous avez de l'excès de sébum et après ça vous l'enlève. Ça vous matifie un peu mieux. Ensuite, ça, c'est de chez NYX que j'ai eu ça. C'est donc un fard rose gold la Utopia. Voilà. Et c'est vrai qu'il est magnifique. Moi, je dirais pas rose gold, non, c'est plutôt orangé. Vous allez me dire vous, mais voilà. Et c'est vrai qu'il est magnifique. J'ai regardé la pigmentation. Oh, magnifique. Donc ça, c'est NYX. Ensuite, de Sephora, j'ai eu un masque stick bambou. Voilà. Donc jamais essayé. Donc bah, ce sera l'occasion de l'essayer. Voilà, faut attendre 5 minutes en gros. Et puis voilà. Ils mettent 15 utilisations. Ouais, c'est ça, vous laissez. Ils mettent appliquer sur une peau propre, pardon, et sèche, puis laisser 5 minutes, rincer à l'eau tiède. Donc voilà, c'est ça. Vous le mettez, tac tac tac, vous attendez 5 minutes et après vous rincez. Mais en général, quand on fait des masques, c'est sur une peau propre. Donc ils précisent, mais bon, en général, ça coule de source qu'on le fait sur une peau propre. Ensuite, j'ai eu donc. C'est de quelle marque? Ça, je crois que c'est Essence, je crois aussi. Un fixateur de maquillage. Non, non, pas un fixateur. Attendez, que je vous dis pas n'importe quoi. C'est même pas moi qui ai eu ça, je crois que c'est ma maman. Oui, c'est brume pour le corps et les cheveux au parfum relaxant d'orange et de lavande. Voilà. Donc oui, ça c'est, je crois, c'est maman qui l'a eu plutôt. Et en fait, c'est qu'elle n'aime pas l'odeur de lavande. Donc du coup, elle me l'a passé. Voilà, c'est une brume pour le corps et les cheveux. Je vais plutôt l'utiliser comme parfum d'ambiance, genre là où il y a mes vêtements et tout, pour éviter que ça sente pas trop trop bon ou le renfermer. Bah, pchit pchit. Voilà, j'ai pchité ça dans mes vêtements. Dans l'armoire, dans la commode, ça va donner une bonne odeur à mes vêtements. Voilà. Pardon. À Sephora, j'ai eu donc de l'eau micellaire démaquillante. Voilà, c'est un tout 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 petit flacon, c'est tout miniature. Sephora, franchement, il y a des produits, c'était tout petit, c'est vraiment du foutage de. Je vais pas dire la suite, vous m'avez comprise. Voilà, c'est franchement, ils auraient pu mettre autre chose que des tout petits trucs. Enfin, vous allez voir dans la suite. Vous allez voir. À Essence, j'ai eu donc un baume à lèvres à la. Ouais, à la coco, avec de l'huile d'amande, 10%. Voilà. Donc autant vous dire qu'ils sentent bien la coco et moi j'adore les baumes à lèvres. Vous le savez si vous me suivez, si vous suivez ma maman, vous savez que j'adore ça. Après, ça c'est un autre calendrier qui s'appelait 12 Days of Chocolate. Et donc du coup j'avais eu ce gloss. Je l'ai essayé, en fait les rouges à lèvres et les gloss, je les ai essayés le jour même pour pouvoir voir si c'est bien ou pas. Et il est trop bien, il est pas collant, et ouais, il est trop bien, j'adore. Ensuite, Sephora, donc j'ai eu un vernis à ongles rouge. Ça va servir, c'est sûr. Voilà. Dans le calendrier 12 Days of Chocolate, donc de Révolution. Ça, en vrai, c'est I Love Révolution, je crois, mais j'ai dit Révolution, au moins voilà, c'est plus court. J'ai eu ce pinceau, voilà. Donc, du coup, il est tout doux, oh là, il est trop doux. J'adore les pinceaux tout doux comme ça. Après, j'ai eu des stickers pour les mains dans le calendrier d'essence. Voilà, pour les ongles. Et celui que je préfère, c'est celui-là. Celui-là, c'est mon préféré. Ils sont trop beaux, dorés, avec des lunes et tout. Oh, les fleurs, ils sont jolis, mais j'ai une préférence pour ça, pour un Magic Spell. Voilà. Ensuite, j'ai eu dans le calendrier Révolution un blush Ruby Cocoa. Voilà, ma maman elle a essayé, elle a vu pour la teinte et elle m'a dit ah oh, ça va bien t'aller, ça avec ta peau blanche ça va bien t'aller. Bon, si ma maman m'a dit ça. Après NYX, j'ai eu un soft matte lip cream de cette couleur. Celui-là ça va, mais il y en a là c'est la couleur Léon, mais il y en a que j'ai eu, c'est des gloss tout simple en fait et c'est pas top top. Franchement j'ai pas kiffé quand j'avais ça. Après j'ai eu donc le gloss dans le calendrier Révolution. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il sent le chocolat. Je vous jure qu'il sent le chocolat. C'est adorable. C'est hyper agréable. Même quand je parlais et tout, après, je sentais le chocolat. Oh, c'est trop bien. J'aime pas trop le chocolat, mais j'aime bien l'odeur du chocolat.
Après, donc, dans Révolution, pardon. Non, Essence, j'ai eu donc un vernis, voilà, comme cela. Donc là, c'est la couleur 05 Puritie. Voilà. Donc, on a jamais eu ce genre de couleur avec ma mère, donc du coup, voilà. J'ai eu une autre palette d'essence, celle-là. Elle est trop belle. Ça s'appelle Dance with the Waves. Et les couleurs. Mais genre, regardez la pépite que c'est, quoi. Des couleurs, mais magnifiques, là. Surtout celui-là. Surtout celui-là. Cette couleur. Elle est genre magnifique. Je vais me faire de ces maquillages. Je vous les ferai en vidéo, comme ça vous verrez les maquillages que j'ai fait avec. Alors là, c'est un patch nez au charbon. Donc, c'est pour enlever les points noirs. Voilà. Ça sera à tester. On verra si c'est bien ou pas. Jamais eu, donc voilà. Après, donc, à Essence, j'ai eu aussi un rouge à lèvres. J'ai à peu près le même de MAC. Comme ça, vous voyez. Il est beau, hein. Je l'ai testé, hein. Il est magnifique, hein. Mais j'ai à peu près le même de MAC. C'est à peu près la même chose. Bon, je dis rien, je vais quand même le garder. Enfin, je verrai si c'est vraiment le même. Sinon, je verrai pour le donner à ma meilleure amie, celui-là. Si je garderai celui de MAC. Après, donc, j'ai eu un autre. Voilà, c'est le Butter Gloss de NYX. C'est des glosses, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, j'irai pour certainement sous. Ouais. Ça, je pense que je passerai à ma meilleure amie, vu que je les ai testés. J'aime pas trop les offrir. Voilà, on va pas vous les donner en concours, vu que sachant que ça a touché mes lèvres. Donc, ça sera certainement ma meilleure amie avec ses soeurs. Elles se partageront. Voilà. C'est ça, voilà. J'aurais pas testé? Ouais, je l'aurais peut-être fait gagner un concours quand ma mère l'aurait fait. Mais là, vu que j'ai testé, voilà. C'est pas top top, quoi. Ensuite, j'ai eu donc un illuminateur liquide. Voilà. De chez NYX. Donc, ça, oui, il est plutôt beau. Donc, ça, ouais, je vais l'utiliser. Il n'y a pas de problème. Après, deux pinceaux de Révolution, voilà, pas le même jour, un pour chaque jour. Après, j'ai eu donc un petit miroir comme ça. D'ailleurs, je pense qu'avec ma mère, on va vous faire gagner des miroirs, parce que vu qu'on en a tellement de miroirs, autant vous les faire gagner, ça sera mieux. Donc, je pense que celui-là et un autre, on va vous les faire gagner. Après, essence, j'ai eu des petits pinceaux comme ça. Ça sert toujours. Pour mettre des paillettes, des trucs comme ça sert toujours. Après NYX, j'ai eu donc une base de fard à paupières. Voilà. Donc comme j'aurai plus celui de chez Action, je mettrai celui-là. Après, donc un autre butter gloss de chez NYX. Voilà. Là, c'est la couleur Brownie Drip. Et l'autre, c'était la couleur Praline. Voilà. Ensuite, Sephora, j'ai eu donc un gloss. Ils disent rouge velouté sans transfert. Voilà. J'ai pas regardé si c'était sans transfert. Je l'ai testé. Après, j'ai eu donc aussi cette petite pince. J'en ai une autre. Franchement, les pinces, elles sont belles. De chez Sephora, faut dire ce qui est. Elles sont magnifiques. Elle est où l'autre pince? Ah, je l'ai pas là, l'autre barrette. Je vous la ferai voir après, ça va arriver après. Et franchement, c'est vrai qu'elle est magnifique la pince, la barrette. Faut dire ce qui est que c'est beau quand même. Donc voilà, l'autre elle est un peu effet marbre, je vous la ferai voir après. Après, donc j'ai eu pour Révolution, j'ai eu un crayon. Ils disent eyeliner, mais bon, c'est un crayon noir, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, voilà. Donc ça va me servir quand même, ça c'est sûr. Donc un autre butter gloss de chez NYX, la couleur Cinnamon Roll. Voilà. D'ailleurs, il y a un truc comme ça qui s'appelle à McDo, McCafé, le Cinnamon Roll. Je pense à la cannelle, c'est un roulé de cannelle. Voilà. Et encore des références à McDo. Je vous jure, depuis que je travaille à McDo, il y a tout plein de références. Après, donc, une boule de vin au Monoï. Ça sent super bon le Monoï. Voilà. Ça, j'ai pas de bain, donc je vais le mettre de côté, comme ça plus tard si j'en ai un. Bien sûr, je prendrai pas des douches tout le temps, enfin des bains tout le temps si j'ai une baignoire plus tard. Parce que écologiquement parlant, c'est pas bon une baignoire. Mais de temps en temps, pour se faire plaisir, pour relaxer. Voilà. Ensuite, Sephora, j'ai mis un fard là qui est magnifique. Ça s'appelle, c'est la couleur 232 Girl Talk. Donc attendez, hop. Voilà, regardez.
c'est magnifique. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez enlever aussi là, en bas là, vous avez des petites encoches que vous pouvez enlever. Et en fait, vous pouvez vous acheter des palettes qui sont vides et prendre ce qu'il y a dedans et les mettre dedans en fait. Vous pouvez après comme ça changer les couleurs si vous voulez faire un truc avec des armes de couleurs et tout. Voilà, vous avez cette possibilité là avec Sephora de faire ça. Moi, j'avoue que je les laisse comme ça individuellement. Je vais pas acheter la palette exprès, sachant que j'achète très très peu de maquillage à Sephora, ça coûte cher. Donc du coup, voilà. Ensuite, NYX. J'ai eu un format comme ça rose, donc c'est la couleur soft pink. Voilà. C'est un rose mat tout simple, mais bon, ça va toujours servir. J'en ai pas de cette couleur là en plus. En général, j'ai des couleurs que je n'ai pas, alors voilà. Après là, c'est un marron avec des reflets verts. Donc le Brown Shimmer, il est super beau, pareil de chez NYX. Il est magnifique, je sais pas si vous voyez. Il est trop trop beau. Donc ça c'est sûr que voilà, ça c'est des couleurs que je vais garder. Après, là, Sephora, c'est un fard mat tout simple, là, cette fois-ci. Voilà, c'est un peu top. Ça s'appelle My Dear Nude. C'est la couleur, le numéro 282. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. C'est un nude top tout simple, en fait. Donc, ça peut faire une base, voilà. Après, donc, ça, c'est pour les portables. Vous mettez ça à l'arrière du téléphone, par exemple, regardez, je vais voir. Vous mettez ça à l'arrière de votre téléphone, comme ça. Et vous pouvez le prendre par ça, le porter comme ça, voilà. C'est pour mettre à l'arrière de mon téléphone. Ça, peut-être que j'essayerai sur un nouveau téléphone quand j'aurai un nouveau. Parce que je compte changer mon téléphone, mais pas tout de suite. L'argent que je gagne là, c'est pour une voiture. On verra le téléphone après. Sauf si mon téléphone me lâche avant, ce qui est fort possible. Ensuite, essence, j'ai eu donc un rouge à lèvres. Donc là, c'est DS... non, c'est la couleur 04. Crazy, pardon. Et c'est vrai qu'il est magnifique. Oh là, la couleur. Mais la couleur. Oh. Et c'est vrai que les couleurs comme ça, ça me va très très bien. Les couleurs foncées vont très bien en mon teint. Ça, je vais pas me plaindre. Et j'en ai eu un autre. Perfect Matte Lipstick aussi. La couleur Raise You Up by 04. Alors là, par contre, voilà, vous voyez. C'est une couleur nude. Bon, encore, ça va, ça ressort un peu sur ma peau, mais pas tant que ça. Après, donc celui-là, je l'adore. Lui, par contre, de NYX, là, je l'adore. Donc, c'est pareil, c'est un soft matte lip cream. Donc, en fait, ça, c'est-à-dire que c'est tellement doux. Vous avez l'impression que vous n'avez rien sur les lèvres et c'est mat. Et franchement, oh, ils sont trop bien. Et cette couleur-là, oh, elle est trop belle. Mais elle est trop belle et elle va tellement bien à mon teint. Je me lance pas des fleurs, attention. Je suis pas en train de dire que je suis belle, loin de là. Mais ça va super bien. Donc ça s'appelle Copenhagen. Ou Copenhagen. Voilà, Copenhagen. J'ai eu du mal à voir parce qu'avec l'écriture noire sur une couleur foncée, on voit pas très bien ce qui est écrit. Mais elle est trop belle. Après essence, j'ai eu ces fossiles aussi. Ils sont super beaux. Donc ça va être super cool à les mettre. J'ai hâte de pouvoir les mettre. Je vais faire des maquillages et tout. Après ça, j'ai aussi ce gloss. Qui est magnifique. C'est le Shine Shine Shine. Voilà, il est trop trop beau. J'ai trop kiffé. C'est la couleur 19, Think Pink. Et il est trop beau. Et trop agréable à porter. Il colle pas, c'est super. Par contre, je ne vous mettrai pas des prix en barre d'infos parce que je ne sais pas le prix des produits et j'ai pas trop envie de savoir. J'aime bien garder un peu, voilà, de ne pas savoir combien tout ça a coûté, quoi. Après, j'ai eu dans le calendrier essence un blush qui fait highlighter aussi. Donc, c'est le 02 Coral Sunset et il est magnifique en vrai. Oh, c'est trop beau. Je ne sais pas si vous voyez là. C'est un peu corail avec le highlighter là qui est un peu doré et tout. C'est magnifique. Franchement, ça va être très bien ça pour faire blush et highlight en même temps. C'est super cool. Après essence, j'ai eu donc une base aussi pour fard à paupières. Je vous dis, j'en ai deux. Donc quand l'action sera finie, j'en aurai deux. C'est cool, j'aurais pas besoin d'acheter. Ça, c'est cool. Donc voilà. Et donc du coup, c'est la 01 The Stage is Mine. Et donc du coup, bon, c'est une couleur à mon avis. Il y a tout un une couleur. Peut-être qu'il y en a de d'autres couleurs pour quand vous mettez d'autres fards et tout. Quand j'en ai une irisée. C'est quand je mets des trucs irisés, quoi. Après, donc, un autre gloss d'essence. Je vous dis, essence, j'ai été gâtée, hein. Lui, c'est la couleur 09 Larger Than Life. Et il est trop bien, lui aussi. Il est magnifique.
Alors, par contre, vous n'avez pas la couleur qu'il y a sur le packaging. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus clair. C'est un gloss et pas un rouge à lèvres. C'est, voilà. C'est beaucoup plus clair, quoi. Vous n'avez pas la couleur vraiment dessus. Je tiens à préciser. Donc voilà, là j'ai eu un gommage éclat du visage de chez Sephora. Ça encore, ça va, c'est assez gros. C'est la suite qui va arriver, je vais vous faire voir. Après j'ai eu donc pareil un highlighter. Voilà, de chez Révolution. Il est magnifique, n'empêche, mais je crois qu'il est trop foncé. Il commençait, ça va être trop foncé ça. C'est peut-être ma maman qui va le récupérer. Ou peut-être ma meilleure amie. Vu que ma meilleure amie, elle a la peau mate. Bon, je crois que ouais, ce sera plutôt pour elle, parce que vu qu'elle a la pommade, ça va bien aller avec son teint. Ça va être super beau. Encore du papier, voilà, du papier qui matifie, voilà, vous voyez. Là, vous voyez le papier. Et là, c'est avec du thé vert. Donc voilà, pour matifier. Ensuite, du coup, voilà, les deux petits trucs de chez Sephora. Une crème super hydratante du jour. Voilà, alors, vous voyez, c'est tout petit, hein. Franchement, autant mettre autre chose, un fard ou quoi, que ça. Parce que ça va me faire quoi? 2-3 jours, c'est tout? Et encore, je suis gentille. 2-3 jours, parce que j'en mets pas beaucoup, moi. Après, là, j'ai un primer aussi, donc une base pour le visage hein, de chez NYX. Voilà. Après, de Révolution... Non. Je crois que c'est Essence, ça. J'ai eu deux pinceaux. Les mêmes. Mais ils sont tout doux et tout, donc ça va servir. Après, donc ça, c'était le dernier jour. Il n'y en avait que 12 cases dans le calendrier Révolution. Une palette comme ça. Genre trop kiki. Elle est trop kikinette. Là, ça fait comme du chocolat et tout. C'est trop mignon. J'ai trop kiffé. Et regardez, là, les couleurs. Mais les couleurs, regardez ça. Elles sont magnifiques, les couleurs. J'ai vu ça, j'ai fait, oh, elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Et j'ai pas des couleurs comme il y a là. Le doré peut-être, mais les roses et tout, j'ai pas ça. Ensuite, donc j'ai une autre boule de bain. Saveur fleur de coton. Ça sent bon. Fleur de coton, voilà, c'est Sephora. Ça rejoint le monoï, ça attendra. Après, Sephora. Un petit crayon noir. Voilà, mais quand je vous dis mini, voilà quoi. La taille. Ça fait même pas la longueur de ma main. Voilà, donc, mais bon, ça servira quand même. Hein. Après, un autre soft matte lip cream. Ah, voilà. Donc, lui, ça va, lui aussi, il est beau. Et c'est Budapest. Ensuite, NYX, il y avait celle-là, Utopia Gold. Il est magnifique. Mais genre, mais magnifique, tellement. Oh, tellement magnifique, ce doré. Ensuite, un autre butter gloss. Donc, du coup, là, c'est la couleur Butterscotch. Voilà. Un autre. Là, cette fois-ci, tiramisu. Voilà. Je vois pas pourquoi tiramisu, sachant que c'est rose. But why not? Un autre soft matte lip cream Abu Dhabi. Il est trop beau, lui aussi. Celui-là, ça fait bien, ça couleur bien. Ça, c'est un autre gloss, pareil, que j'ai eu mais de Révolution. Ou c'est le même? Non. Non, c'est un autre. Ah oui, il est un peu plus rosé, lui. Il n'y a pas la couleur, donc du coup, je peux pas vous dire s'il n'y a pas la couleur, je crois. Ah, si. Alors, le premier que je sais voir, c'était Milk Chocolate. Et là, lui, c'est Berry. Voilà, c'est un rose, quoi. Vous voyez la différence des deux. Donc voilà, j'avais deux gloss, hein. C'est pas mal. Alors, attendez, je prends la boîte devant moi, voilà. Donc là, j'ai une autre petite palette essence. Donc ma maman, elle était un peu jalouse. Donc du coup, c'est ma maman qui va la récupérer, celle-là. Voilà. Et donc du coup, ben, quand j'en aurai envie de l'utiliser, je dirai lui emprunter. Voilà. Elle était un peu jalouse et tout, quand elle a vu ça. Après, j'ai une autre poudre de finition de chez NYX, cette fois-ci. Voilà. Donc c'est la translucente. Voilà, parce que c'est blanc, tout simplement. Après, ça c'est... Ah oui, un gel à sourcils que j'ai eu de Révolution. Donc, soit je vais le donner à ma meilleure amie, soit ça sera à une de vous qu'on va vous faire gagner. On verra. Parce que nous, on n'utilise pas le gel à sourcils. Ma mère, elle en a un, elle l'utilise pas. Et moi, je l'utilise pas parce que j'en ai pas besoin. Je fais jamais mes cils. Après, une petite lime à ongles. Ça, je pense qu'on va vous la faire gagner. Parce qu'on en a plein de lime à ongles.
On va peut-être vous la faire gagner. Une image de chez Sephora, tout simplement. Après, un crayon lèvres mini rouge. Voilà. Après, donc là, un autre highlighter liquide de chez NYX. De Born to Glow. Et là, c'est la couleur Gleam. Voilà. Ensuite, encore NYX. NYX, j'ai eu pas mal de trucs quand même. Le Dark Purple. J'ai pas de violet comme ça en plus, donc il est super beau. Donc je vais pouvoir faire des maquillages avec du violet. Parce que là en plus, un qui va se marier super bien avec lui, de chez NYX aussi, c'est le Purple Shimmer. Voilà. Il est trop beau avec des reflets un peu bleutés et tout. Oh, j'ai de faire des maquillages moi. Vous êtes pas prêts les maquillages que vous allez avoir. Hein. Après, donc un autre de chez Essence, un autre vernis. Là, c'est le 02 Clarity. Voilà, il est trop beau. On n'a pas de couleur comme ça avec ma mère, un peu nude comme ça. Rose nude, c'est super beau. J'ai eu un chouchou de chez Sephora. Voilà, avec un petit nœud. Ça, j'avoue que ça, je vais le garder quand même. Ça, ouais, j'avoue, je vais le garder. Il est tout mignon, il est tout kiki. Voilà la deuxième pince que je vous ai dit un peu. Il fait marbré rose comme ça. Elle est super belle, cette barrette. Donc ça, je vous ai dit hein, qu'elles étaient belles, celles de Sephora. Je vous ai pas menti. Essence. Alors, ce vernis. C'est la couleur 52, Shine On Me. Oh, trop belle. Regardez cette couleur. Magnifique. Franchement, genre, Essence, j'ai pas à me plaindre. Hein. Après, donc, un petit miroir, mais vraiment mini, mini de chez Sephora. C'est pour ça que je dis, on va peut-être vous les faire gagner, les miroirs. Ça, c'est un peu se foutre de la figure du monde, hein. Essence, j'ai eu un eyeliner waterproof. Voilà, de chez Essence. Et vous voyez, là, ça fait vraiment la longueur de ma main. Genre, c'est Essence, j'ai pas à me plaindre. Après, donc, Sephora, un vernis transparent. Ça, jusque-là, voilà, vous enlevez le capuchon et vous avez là, après le... Le truc, c'est un peu comme Kiko, c'est pareil, c'est la même truc. Et c'est pareil pour même le rouge et tout. Et un autre là, rose. Voilà. Alors la couleur, ils ne disent pas la couleur ici? Non, il n'y a pas. Je peux pas vous dire, il n'y a pas la couleur. Après Essence, j'ai eu aussi donc un mascara. Voilà. Ma mère, je crois qu'elle a eu le même aussi. Et elle fabrique en Italie. Comme Kiko. Tout me ramène à Kiko. Un autre Butter Gloss de chez NYX. Là, c'est la couleur Fortune Cookie. Et celui-là, il est trop clair. Je l'ai essayé, c'était vachement trop clair. Après, j'ai eu donc une huile pour les lèvres de chez NYX. Voilà. Ça fait un peu comme un gloss. En vrai, moi, j'aime bien. Ça fait un peu comme un gloss. Je l'ai mis, ça sent bon et tout. J'ai les lèvres genre qui sont... Quand je fais comme ça, là, ça glisse et tout. J'adore. Ça, franchement, j'aime bien. Là, un soft matte lip cream. Un autre, la couleur Stockholm. Ça a des noms de pays, de villes. Ce pays, non, mais de villes. Et enfin, celui-là. Alors, lui, on croit que c'est rouge bordeaux. Mais il n'est pas du tout rouge bordeaux. Il est plutôt un rouge rosé clair. Donc, c'est pareil, un soft matte lip cream. Et c'est la couleur Monte Carlo. Voilà. Et ça fait pas la couleur. Ça fait genre un rouge rosé. Et enfin, pour finir, le dernier truc que j'ai eu de chez Sephora, que ça par contre, j'ai bien kiffé, des lingettes démaquillantes à la coco. Comment vous dire que moi, les lingettes démaquillantes, j'en emmène à chaque fois que je suis pas chez moi. Même au travail, j'en avais emmené pour me démaquiller, parce que, voilà. Mais bon, bref. Et donc, j'en emmène tout le temps quand je suis pas chez moi. J'en emmène pour me démaquiller n'importe où je vais. C'est très très important. J'ai pas besoin d'entendre ça d'emmener mon huile démaquillante, d'emmener ci, d'emmener ça. J'emmène ça, je me démaquille, basta. Donc voilà tout ce que j'ai eu. Autant vous dire que j'ai beaucoup de choses. Va falloir que je range tout ça, mais d'abord je vais faire un tri avec ma maman. Et après je rangerai tout ce que je garde et tout. Parce que, comment vous dire, je vais vous faire voir à la fin de la vidéo tout ce qu'il y a sur mon lit. C'est vraiment le bazar, c'est le bazar complet là, beaucoup. Mais bon. J'ai été bien gâtée en attendant Noël. Puis à Noël, j'ai été aussi bien gâtée. J'ai eu beaucoup de choses. Harry Potter. Donc, vous savez que j'adore Harry Potter. J'étais trop contente. Je vais vous faire voir déjà ça. Voilà. Du coup, ça, la plateforme 9 3/4 d'Harry Potter. J'étais trop contente.
Ah là là, j'ai vu ça, le gros, c'était dans un gros paquet. J'ai eu le Trivial Poursuite spécial Harry Potter, donc je vais y jouer avec ma meilleure amie et ses petites sœurs quand je vais y aller le 31. J'ai eu un porte-clés Poudlard, un porte-clés du Choixpeau. J'ai eu les livres du Labyrinthe, enfin deux que je voulais, pas les autres. C'est Avant le Labyrinthe, la Bresse et Le Destin de Newt. J'ai eu deux coloriages magiques de Disney que je voulais. Donc franchement, non. Et j'ai eu un ballon de gym. Alors ça, je savais pas que j'allais avoir ça. J'ai eu une palette de chez Action aussi. Enfin ouais, j'ai eu aussi un verre d'Harry Potter. Il est tout noir et il y a marqué la carte du maraudeur en anglais et tout. Trop belle. Trop beau ce verre. Et j'ai eu la tasse Gryffondor. Autant vous dire que le matin, j'ai direct déjeuné dans ma tasse Gryffondor. Et le midi, j'ai direct bu dans le verre la carte du maraudeur. The Marauders Map. J'étais trop trop contente. Franchement, j'ai été super bien gâtée à Noël. J'ai pas à me plaindre. Et puis McDo nous ont offert aussi quelque chose, voilà, des bouteilles de vin rouge. On n'est pas vin rouge, mais bon, ça peut toujours servir à offrir à quelqu'un, ce qui est le cas. Je vous dis pas à qui parce que si on regarde la vidéo des gens, voilà, j'ai pas envie de dire à qui je vais offrir, mais je vais l'offrir à quelqu'un. Ça c'est sûr parce que nous on boit pas de vin rouge, ça aurait été du vin blanc, pourquoi pas. Si on est plus vin blanc que vin rouge. Mon père lui c'est rosé, mais moi j'aime pas le rosé. Je trouve ça trop fort. Je préfère le vin blanc, c'est plus doux. Donc du coup voilà. Donc ouais, j'ai été très bien gâtée. J'espère que vous aussi vous avez été bien gâtée. Et je vous souhaite aussi bah, une bonne année, une bonne santé. On est à la nouvelle année pour vous. Moi je suis encore Noël. Pour vous, vous êtes du coup bah, la nouvelle année. Donc je vous souhaite une bonne année, une bonne santé. Que tous vos vœux se réalisent en la nouvelle année qui arrive. Voilà, et j'espère que vous avez été bien gâtés pour Noël, que vous avez reçu tout ce que vous voulez, que vous avez pu passer du temps avec vos familles, malheureusement avec encore le Covid qui est encore présent malheureusement. J'espère que voilà, vous avez pu profiter de vos proches si vous avez pu. Et du coup, il me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux dimanche et à vous dire à dimanche prochain pour une vidéo. Ciao! Thank you.